C'est une première en 20 ans d'existence. Le FIMA n'aura pas lieu au Niger. Le festival a décidé pour sa 11e édition de s'exporter au Maroc. Un choix du cœur selon son fondateur, mais surtout une volonté de passer à l'international. Dans le cadre de l'Union africaine, on a décidé de faire voyager le FIMA. Et le FIMA, le Maroc a été le premier pays qui voulait l'africanité. C'est un choix Niger, entre le Niger et le Maroc, mais surtout un choix de moi, parce que nous sommes faits pour s'entendre. L'industrie de la création a beaucoup évolué là-bas, donc le FIMA va voyager pour donner une très bonne image du Niger aussi. Une image qui passe par des mannequins de qualité. Ils étaient ainsi une vingtaine, désireux de convaincre le jury ce vendredi. Leur objectif, passer des pistes locales à celles de Dakhla. Ryan Atou, 18 ans, n'avait encore jamais défilé en dehors des pistes locales. La jeune fille a été choisie pour représenter le Niger au concours prévu en marge du festival. Ce FIMA, c'est aussi l'occasion de briller au niveau international. Il y a 25 pays qui seront au Maroc. Le Niger vient d'avoir ses lauréats au niveau féminin que masculin. Donc c'est une fierté qui m'anime aujourd'hui de montrer que le Niger aujourd'hui moderne, le Niger de la jeunesse existe et qui va combattre pour être quand même peut-être, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il gagne. J'ai l'habitude de défiler sur les podiums nationaux, donc là c'est vraiment une chance de pouvoir défiler sur les podiums internationaux et représenter mon pays, les couleurs de mon pays avec fierté. Si le rendez-vous n'est prévu qu'en novembre prochain, au Niger, le FIMA se prépare déjà depuis plusieurs mois. La soirée de ce vendredi a aussi été l'occasion de sélectionner les meilleurs artisans locaux, bijoux, maroquinerie ou encore tissus, qui vont accompagner les mannequins sur la scène de Dakhla.